Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle épisode, toujours aussi What the Fuck, comme je le disais dans le précédent épisode. Donc, on se retrouve là, dans Correspondance Fatale, qui vient d'une mission de contact de Martha. Et donc, comme d'habitude, difficulté maximum. Donc, on va pas se prendre la tête, on prend les munitions max, gilet pare-balles, et tout ce qu'il en faut. Donc, confirmer les paramètres et jouer salon privé lancé en solo. Et c'est parti. Donc, le chemin va être super long. D'ici à là, il devrait y avoir au moins... 7 km au moins. Donc, je vais faire une micro-coupure. On va essayer d'arriver en mode film d'action, hein. En mode chacal, on va tenter une bonne atterrissage, très bon atterrissage même. Ils ont montré des professionnels qui sont vraiment de nature professionnelle. Et voilà, nous sommes sur le lieu d'action et on va pas faire de cadeaux. Essayez de pas faire de cadeaux. On va se placer là tranquille. Comme d'habitude, c'est le superbe grand nettoyage. Consulter le GPS pour savoir où précisément ils sont placés. C'est bon, je peux sortir dans la voiture. Hein. Oh là là! Non mais. Surprise, mais c'est pas bien ça. Regardez, vous avez déjà mis mon gilet pare-balles en état de... Bon, moi j'ai pas de véhicule. On va appeler tout de suite mon mécano. J'espère qu'il va être rapide sur ce coup. Oui, je suis le boss. On va prendre ma X-Proto. Et ben voilà. Ma belle voiture. On est bien. Faire un peu les foufous sur la route. On va se tenir bien quand même. On est chaud, on est bien, on est coopératif pour le combat. Ah, c'est des petits moyens. Ouais. Pour les en montrer. Qui est le patron? C'est un peu difficile ici. Rester dans un
Voilà. Ça me fisse bien ça. Non, pas de répit. Vous êtes pas gentil. Cette année, vous avez manqué de respect au Père Noël. Sans regarder, chez moi c'est bien naturel. Se tenir à portée d'une bobine de gaz, ce n'est pas conseillé. Trouver un lieu beaucoup plus approprié sans se faire toucher, que ce soit qu'on en finisse avec cela. Et pour cette mission, n'oubliez pas surtout de bien vous cacher parce que, voilà, qu'est-ce qui arrive? Il est où? Bah, il est pas là. Voilà, t'as vu ça? Moi, je l'ai vu, si t'as pas vu. Il est où, là? Ouh là là, ça débarque en traite, là. Ça vise de derrière, de devant. Tu trouves ça un bon moment de recharger, toi? Oublier de se cacher quand même. Oh là là. Et non. Et voilà. C'est fini pour ta carrière. Vous êtes où? Il est là. Ah, mais t'es là, t'arrives pas à viser non plus, toi. Il est là. Soit c'est moi ou soit c'est toi. Bon, ce sera toi aujourd'hui. Il est là. Et non. Ah, il te voit juste à travers les plantes. Comment fais-tu ça? T'as de la magie ou quoi? Bon, on va prendre le risque. Ah, il est là. Le voilà. Ces petits PNG là, ils se cachent bien quand même. Hein. Il n'y a pas de secret. Ils savent tout. Ils savent lire les murs. Bon, maintenant on va pirater le portable pour localiser le fournisseur. Ah, et encore un dernier. Il y a de la thune dedans. Bah, on se la fait. Oula, mon dieu, cache-toi. J'ai un petit conseil pour vous, hein. Dans ce conteneur-là, il y a de la vie. Voilà.
qui apparaît toutes les 10 secondes, je crois. Voilà, il est mort. C'est bon, on peut commencer à pirater. Bon, ben, qu'est-ce que t'attends? Périphérique externe. C'est parti. Donc, en fait, je dois retrouver le nombre indiqué. En haut là, 29-09-88-98. Je dois retrouver ça là-dedans. C'est. Voilà. Ça peut prendre un peu de temps parfois. Ah, voilà. Avec un peu de chance, je suis arrivé un peu tôt. Bah c'est bon, on est dans les temps, non? Et voilà, on est dans les temps. Bon, il y aura encore un groupe de manifestants qui va bientôt débarquer. Donc on devra se cacher. Ah. On va éviter de se cacher alors. On va prendre le Fatal Bazooka. Mais c'est bizarre, mais quand je fais des missions, c'est toujours la nuit, quoi. Ça m'énerve. Toujours la nuit. J'aime bien moi le plein jour aussi, tu vois. On peut voir un peu plus de loin. On voit ce qu'on appelle les victimes là, qui vont bientôt débarquer aussi. Allez, mais c'est, je trouve pas ça juste, hein. C'est toujours la nuit, quoi. Voilà, lui, on va essayer de te surprendre. Il y en a un qui débarque. Ensuite, il y aura deux. 3. Voilà, et c'est parti. C'est toujours comme ça ici. Dans le mille. Bon viseur va. Bon, je crois que c'est les derniers. Pas de gentillesse jusqu'à la fin. Moi, j'aime bien cette mission.
Et nous voilà arrivés à destination. Bon, pour ma part, moi je vous conseille de coller des mines sur les véhicules suivants. Donc, les véhicules concernés sont ce véhicule, lui. Parce qu'à la fin de cette mission, il va décoller. J'ai déjà fait cette mission. Voilà, j'ai déjà fait cette mission. Donc, je sais ce que c'est. Donc, pour éviter qu'il survive à une bombe, il y aura une deuxième, pour que ça soit sûr qu'il va péter. Ensuite, juste derrière, ou maintenant devant, vous avez aussi le Buzov là, qui lui aussi va vous bombarder à la fin de cette mission. Je vous conseille d'ailleurs de coller une bombe à proximité, donc plutôt une bombe d'amorçage. Donc voilà. Ensuite, je vous conseille de vous mettre à une je vous conseille de vous mettre à une distance sécurisée, dont là, c'est pas mal. Donc vous avez c'est plutôt le bâtiment là-bas ou là-bas ou là-bas. C'est là, je crois. On est bien placé, non? C'est pas ça. C'est le deuxième. Ah, je me suis trompé de côté. On a une distance raisonnable. On est bon, on est bien placé. On se met tout en face. Et on va commencer le processus. Ouais, ils avancent sur toi. Toi, tu vois pas quand ils avancent sur toi. Tu vois, t'es en train de buter les gens là-bas. Putain, surtout ces gens-là. En haut, là. Il y en a deux. Un ici et un au fond. Il y en a un derrière, je crois. Comme moi j'ai fait ça, je continue vers là. Voilà, on nettoie tout jusqu'au bout. Pas de gentillesse. C'était un PNJ. Hé, bam 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 bam. Qu'est-ce que tu veux faire là? Tu vois pas que t'es mal placé là? T'as le temps de viser. Ils ont pas le temps de viser. Ouh là là. J'aime pas ça, moi. Hein. Fais attention à qui t'as affaire ici, là. Hein. C'est Victor Clams, là. Attention, hein. Ouh là 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 là. On va commencer avec la mitraillette maintenant. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Tu m'as pas vu, mais moi je t'ai vu. Attention, attention, qu'est-ce qui se prépare encore? Il faut que tout le temps qu'ils me visent pour que je comprenne où ils sont situés en fait. On va éviter ça. Bon, je vais exploser tous les véhicules tout d'abord.
s'éloigner un petit peu. On explose. On explose tous ces véhicules. Hein. On laisse pas de traces. On va exploser tous ces véhicules et on laisse pas de traces. Hein. Ah. C'est pas possible. Hein. Je crois qu'il y a un mec tout là-haut. On récupère toutes les marchandises. Un petit instant là, je pense que j'ai déjà fait beaucoup de victimes. Bon. La quatrième situation, je crois. Enfin, la suivante situation, c'est qu'on a un gilet pare-balles qui spawn à peu près toutes les 10 secondes. On va se camoufler parce que là, ça devient dangereux. Rappelez-vous des bombes qu'on a posées. On les explose. Tout simplement, ils disparaissent de la map. Tcha, 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 t'as vu comment je suis mal, hein? T'as vu ça, hein? T'as vu ça, là, hein? Bon. Ils sont tous passés derrière alors que je suis à l'intérieur. Non mais... Ah mais là ça va barder. Non c'est pas le temps de tomber non plus. Et voilà, c'est fini. Bon. Voilà, je vais prendre l'hélicoptère. Et je vais ramener la marchandise chez Madrazo. Bon, bah moi je crois que je vais faire un petit saut. Hein. On va faire ça en mode Jazz Bomb. Petite piste d'atterrissage, moi j'ai déjà calculé. Et voilà, on est presque bon. Plein de mille. Salut, comment ça va mon cher ami? Oui. C'est ça, super. Mission réussie, enfin. Et voilà. Comment se faire 20 400 euros facilement? Ben voilà, suivez mon petit tutoriel et vous allez arriver. Bon, ben moi, sur ce, j'arrive à la fin de cet épisode. Et je vous souhaite une bonne continuation. Et j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous avez apprécié, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et bah, pour m'encourager, essayez de mettre 2-3 petits commentaires. Et moi, je vous dis ciao, bye bye.